Qui nous regarde, quatre parties du Kurdistan mais aussi d'Europe, un peu salut. Je suis Hassan, qui est le co-président du Congrès gay. Prêt, Hatta Dormi, je vois que Hassan, je vois le Pepper Skelin, à me mettre à cuisiner. Nous sommes les amis et les camarades du peuple kurde et nous les femmes, nous sommes en admiration totale du combat pour l'émancipation elle-même. Nous savons ô combien elle lutte, y compris pour notre propre liberté dans ce combat émancipateur, parce que l'humanité ne s'en sortira pas si les femmes sont toujours opprimées. Et en tant qu'élus, nous avons, nous, créé un parrainage avec une mère kurde qui s'appelle Sarah Kaya et qui se trouve actuellement en prison, comme des milliers d'élus, de députés, de maires kurdes qui sont emprisonnés par les fascistes de Turquie. Donc nous sommes particulièrement fiers d'être à vos côtés aujourd'hui pour vous soutenir et nous apporter cette solidarité, parce que le combat que les femmes kurdes mènent, elles le mènent pour l'ensemble des femmes de cette planète, pour que nous puissions conquérir notre liberté. Voilà, et donc on voulait vous soutenir et vous dire que, bien évidemment, nous les communistes, on continue à réclamer la libération d'Erdogan, mais aussi que l'organisation du PKK puisse être sortie de la liste des organisations dites terroristes, et bien évidemment des négociations pour la paix très très vite pour que le peuple kurde puisse faire valoir ses droits. Vous pourrez compter sur le Parti communiste, nous sommes aux côtés du peuple kurde et aux côtés des travailleurs kurdes, comme le rappelait encore notre secrétaire national Fabien Roussel. Merci beaucoup Belivane. Je suis ici pour vous transmettre l'émotion du barreau de Paris. Les avocats sont solidaires de vous avec leur bâtonnière Julie Couturier. Le crime qui a été commis hier n'est pas seulement un crime raciste. Belivane a raison. C'est un crime prémédité, planifié, concerté, un crime terroriste destiné à effrayer les populations. La justice française, dans laquelle nous portons toute notre confiance, ne devra pas avoir peur d'établir toutes les responsabilités, y compris celles de tous les services secrets impliqués. Je n'ai qu'un seul mot d'ordre, Jan Jiyan Azadi. Merci monsieur le vice-bâtonnier. Jiyan Azadi, Jiyan Azadi. Juste deux mots pour vous dire que, bien sûr, la communauté arménienne et le conseil de coordination des organisations arméniennes de France sont totalement avec vous. Juste deux mots pour nous incliner devant les morts et devant votre deuil qui vous frappe encore 10 ans après l'horrible attentat contre vos 3 militantes à Paris. Je n'irai pas plus loin, juste pour vous dire que nous sommes certains et que nous saluons la résistance du peuple kurde. Et nous savons que cette résistance, aucun attentat, aucune répression ne pourra en venir à bout. Merci à vous. Vive le peuple kurde. Chers amis, chers camarades, les Arméniens sont avec vous. Nous sommes là aujourd'hui pour affirmer notre solidarité, la solidarité des peuples opprimés, la solidarité des peuples en lutte
Et nous avons, nous, une conviction très claire que nous ne pouvons pas écarter sur la nature de l'attentat d'hier. Nous croyons, nous aussi, en la justice française. Et nous savons que la France aura le courage, ou devra avoir le courage, de faire la lumière sur cette affaire, même si cela doit abîmer les relations diplomatiques avec Ankara. Ne lâchez pas, ne lâchons pas, continuons notre combat. C'est un combat juste, c'est un combat pour la liberté. Et au nom du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, avec Arat Oranian, nous vous présentons toutes nos condoléances par rapport à l'assassinat d'hier, qui est, selon notre conviction, un acte terroriste. Le combat continue, le combat continue. Bonjour, bonjour à tous. Dans la lignée des propos qui viennent d'être tenus à l'instant, je tiens à dire que, évidemment, ce triple assassinat est un nouveau triple assassinat après cette commémoration des 10 ans de l'assassinat de Sakineh, de Fidan et de Leïla, par rapport auquel la justice française, malheureusement, n'a pas fait toutes les investigations nécessaires pour établir la nature, l'identité des commanditaires, parce que nul ne peut penser que ce triple assassinat a été le fait d'un personnage isolé. Et c'est dans ce cadre d'une émotion très forte qu'est intervenu hier à nouveau un triple assassinat dans les rues de Paris. Je tiens à dire qu'en tant que Français, je suis un peu honteux de constater que dans la capitale de mon pays, des militants pour l'égalité, des militants pour l'émancipation qui viennent ici pour aussi rechercher la sécurité, la possibilité de militer avec une quiétude qui n'existe pas toujours dans les pays où vivent les Kurdes, et je pense notamment à la Turquie et à la répression qui peut être opérée vis-à-vis d'eux, eh bien je suis quand même toujours un peu honteux de constater que des personnes qui viennent ici chercher une certaine quiétude puissent être assassinées. L'honneur de la France, c'est de ne pas laisser ces assassinats impunis, essayer de faire la lumière sur les commanditaires. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est que cet assassinat a de toute façon une dimension raciste. Mais dire qu'il est raciste, ça n'est pas une opposition avec la nature terroriste. On pourrait même dire qu'un attentat qui est mû par la volonté de s'en prendre à des personnes parce qu'elles sont kurdes, peut-être est un élément qui permettrait de déterminer justement qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Nous sommes ici, quoi qu'il en soit, face à un acte qui a été perpétré contre une communauté en particulier, comme l'aurait dit l'assassin lors de ses auditions et lors de son arrestation. Et c'est aussi cela qui doit être évidemment pris en considération, et que cesse dans notre pays cette ambiance de racisme, cette ambiance anti-immigrés, cette ambiance contre tous les groupes qui peuvent exister et qui font que des personnes, eh bien peut-être en étant agies par les services turcs, qui auraient peut-être guidé la main de cette personne parce que ça n'est effectivement pas écarté, eh bien commettent des meurtres qu'il faut punir sévèrement. Je vous remercie pour votre mobilisation. Et nous apportons à SOS Racisme toutes nos condoléances aux familles des victimes. Je vais intervenir donc en tant que président de la Ligue des droits de l'homme et vous dire bien sûr aussi toute notre sympathie, notre solidarité, notre émotion et je reprendrai le mot de Dominique, notre honte par rapport à ce qui vient de se passer sur notre territoire. Pour ma part, j'ai présidé pendant longtemps la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Ma première mission en 1974 était une mission au Kurdistan irakien. Et c'était déjà pour défendre les droits des Kurdes. Alors, inutile de vous dire qu'alors que votre peuple se trouve soumis à toute une série de violations de droits, quand ce n'est pas de massacres
en Turquie, en Iran, en Irak, en Syrie, de penser qu'en France aussi, vous êtes victime de ce type d'agissement, inutile de vous dire que c'est scandaleux et que nous lutterons jusqu'au bout avec nos amis, tous ici présents, pour que la lumière soit faite sur ces assassinats d'hier. Et comme cela a déjà été dit, le profil qui se dessine de celui qui est l'auteur de ces assassinats n'est pas tout à fait indifférent. Cela se situe dans le cadre de toute une série d'actes, d'abord de discours. Depuis de nombreux mois, nos organisations dénoncent ce climat ambiant en France qui est en train de, malheureusement, prendre de plus en plus d'importance. Nous l'avons dit, il y a un terreau. Ce terreau, c'est toute une série de crises. Les crises climatiques, les crises sanitaires, les crises de précarité, la précarité. Et cela rend facile les discours qui vont engendrer la haine, la xénophobie, le racisme, le rejet de l'autre. C'est cela, bien sûr, qu'il faut combattre. Et j'ajoute que cesse enfin le bal des hypocrites. Que cesse le bal des hypocrites. Car notre pouvoir actuel qui vient nous dire « Nous luttons contre ces tendances, nous luttons contre l'extrême droite » ne fait qu'entretenir ce climat en présentant les étrangers comme étant des délinquants, en nous abreuvant de lois toutes plus sécuritaires les unes que les autres et de rejet de l'autre. Je crois, et je terminerai par là, et je me félicite de voir que vous êtes nombreux, et merci, merci d'être là, car vous n'êtes pas là seulement... Vous n'êtes pas là seulement pour votre peuple, vous n'êtes pas là seulement parce que vous êtes kurde, vous êtes là et parce que c'est le combat que nous menons pour les droits des étrangers, des migrants, des sans-papiers dont nous demandons la régularisation. Et c'est pourquoi je crois que c'est une source d'espoir, malgré le drame qui vient de vous frapper et toutes les condoléances qu'on peut vous apporter, c'est une source d'espoir. J'espère qu'aujourd'hui constitue un moment de renaissance et que enfin va cesser l'apathie qui paraît régner dans l'opinion publique, qu'il y ait une vraie prise de conscience que la situation est grave et que si nous ne prenons pas immédiatement, si nos autorités auxquelles nous lançons cet appel vif ne prennent pas immédiatement les mesures, nous allons vers le pire. Et il est encore temps, mais il est grand temps et il faut faire vite. Et encore une fois, merci à vous tous et toutes. Je vais être très courte parce que je suis aujourd'hui vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et je m'associe complètement à ce que vient de dire Patrick. Mais j'ai aussi été députée européenne pendant 10 ans. Et il y a 10 ans, justement, j'étais là et que je connaissais particulièrement Fidane,